trois informations, je vais poser plein de questions pendant la conf et je donne des bons points. Les bons points sont échangeables contre des super bons chocolats que j'ai ramenés de meilleur chocolat de Paris, vu que c'est fait par la seule femme de maître chocolatine. Donc si vous en voulez, si vous voulez. Je vais vous jouer le marathon. Donc là, je vais vous présenter des gens en train de faire des choses. Juste que vous me disiez, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça peut, c'est protégé par le droit d'auteur. Des enfants qui font un collège. T'es participant. Tu fais plein de chocolat, donc. Non, c'est pas protégé. Mais si. Ils le font plusieurs aussi, je vais dire ça. Ouais, bah, il y a plus, tous ces inventeurs. Un enfant qui fait de la peinture, c'est facile. Pareil que juste avant, il crée, c'est protégé. Ouais. Qui dessine, qui fait pareil. Hop. Quelqu'un qui souffle des bulles. Ben non. Pourquoi? Parce que la bulle, elle est purement technique. Elle a une forme aléatoire qui n'est pas générée par sa création. Je lui souhaite bonne chance pour prouver que la bulle, c'est celle qu'elle a faite. Il faut qu'il y ait un million d'originalité pour être clair pendant 2 heures. Ouais. Un enfant qui écrit un roman, a priori. Ah oui. Les enfants qui arrivent de 3 plus 5, il y a 8 sur le tableau. C'est purement technique, non, donc non. Quand il fait blanche sur la neige. Et qui prend la photo, ça peut être aussi une photo artistique. C'est pas la photo, c'est la personne qui est en train de faire, est-ce que c'est protégé par le droit d'auteur? Ben non. On n'est pas obligé. Non, c'est pas ça. Un enfant qui est pipi sur le sable. Est-ce qu'il fait un dessin? Moi, je connais personne qui peut pisser sur le sable sans chercher à faire un dessin. Ma connaissance. Oui, oui, c'est protégé. C'est protégé parce qu'il fait de l'art. Parce qu'il fait, oui, il fait un dessin, le dessin est protégé. Enfin, qu'il fasse pas de dessin, je suis très étonné. Ça sent les mains, quand même, les doigts. Les gens qui construisent un igloo. Oui, tout ce qui est architectural, donc c'est pourri, c'est clair. Un enfant qui a personnalisé son gâteau d'anniversaire. Oui. Je sais pas. Le reste des gâteaux. Alors, est-ce que l'enfant fait une retouche d'image? Qui fait quoi? La retouche d'image. Ben oui. L'enfant qui prend les photos, c'est plus facile. Et il faut de la pâte à modeler. Ben oui. Parfait. Il embrasse une brioche. Il mange une brioche? Non, il l'embrasse. Et oui, il n'y a pas d'enjeu à l'aide pour mettre un dessin dessus. Non, ça c'est pas couvert. Il couvre des étoiles avec des paires bleues, je ne sais pas ce qu'il fout. Bah oui, oui. Bah oui, c'était bien. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, sûrement. Quelqu'un qui pétrit de la pâte. C'est une technique. Celles de cuisine ne sont pas ouvertes par rapport à ça. Après, elle peut déposer un brevet dessus, mais c'est compliqué. Un enfant qui marche sur le sable. Non. Compliqué, hein. Je sais pas. Tout ça marche pas, moi j'ai besoin d'un spécial et ça fait quelque chose. Ah, il y a ses empreintes de doigts, sur une ligne. Oui, oui. Mais pour les voir dans ça, c'est compliqué. C'est un effet de. Il fait de la peinture, c'est facile. Ouais. Alors, ils font un château de sable. Sans saut. Bah oui. C'est vrai. Architecture, c'est protégé. Elle tape sur un saut. Elle fait quoi une... Elle tape sur le saut. Oui, c'est vrai. Oui, oui, de la musique. Oui. Je vous comprends. Bon, ben voilà, donc vous voyez, des fois c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas si. Des fois on croit que c'est pas original et puis les gens ont quand même porté plainte, donc c'est un merdique pour l'auteur. Donc là, je vous montre une œuvre qui a été faite, quelqu'un qui pisse en salle. Donc là, vous avez un auteur et quelqu'un qui prend une photo de l'œuvre. On pourrait se dire comme ça, oui, j'en fais ce que je veux, mais non. Je demande, par exemple, de prendre la photo pour la mettre sur son site internet, il va demander l'autorisation à l'auteur. Je vais dire, est-ce que c'est toi l'auteur? Il va répondre oui, il va dire, je peux prendre cette photo. Il va dire oui, mais là, il va autoriser qu'à utiliser cette photo-là, rien d'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un veut mettre une photo, veut être en jaune la photo, il va demander au photographe, est-ce que je peux modifier ta photo? Il va dire oui, machin. Il faut aussi qu'il demande à l'auteur original, parce que lui, il n'a pas donné l'autorisation pour que ce soit jaune. Je fais la photo de l'autre.
fini, quelqu'un de faire un cœur carré avec ça. Alors, faut qu'il demande à celui qui a fait la couleur, à celui qui demande au photographe, on peut faire la liste, faut qu'il demande à l'auteur de du bol qui nous répond, et là il va faire de la pâte de modeler en disant le carré jaune, non, peut-être. Donc, ça, c'est européen ou c'est international? C'est européen. Européen. International aussi. Enfin, c'est, pour l'instant, c'est international. Mais, d'accord. C'est pas sur l'européen, mais ça, c'est. Donc là, il va demander à tous les auteurs, hein, il y en a, je sais plus combien. Et là, il n'y a pas de bol, il y en a un qui répond pas. Dans ce cas-là, je suis incapable de dire si j'en vois le faire quand même. Parce qu'après, le coloriste, il n'a pas participé à faire le cœur carré, vu qu'il va reproduire ses dessins. Mais en même temps, le seul modèle qu'ils ont, c'est le cœur carré, donc jaune. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas s'ils ont pas. Personnellement, je ne sais pas. Je pense qu'il va s'y permettre, mais... Ou alors pas jaune. Ouais, mais le seul modèle qui existe, c'est le modèle carré jaune. Le seul modèle qui est public, bah, ils sont obligés de s'inspirer dessus, là. Donc, après, ouais, à leur place, demanderai au auteur original de le faire sur le fond. Enfin, je ne sais pas. Ils seront pourris, droit d'auteur, pas trop. Il y a quand même quelques exceptions, droit d'auteur. Je vais essayer de lire, d'ailleurs, j'ai des points de vue. Pour ses utilisations dans certaines familles. Tu n'es pas les chauffeurs, hein. La reproduction personnelle. Ouais, titre personnel. Ça s'appelle la copie privée. Celui-là. Le droit de citation. La courte citation, tout ça. Ah. Dur à représenter, hein. De satire. Exactement. Parodie, satire. Je pense qu'il va parler. Ah, si. Bon, il y en a un que personne ne connaît, mais c'est droit à la revue de presse. C'est pour ça que la revue de presse, ça permet de mettre des articles de journaux bien vendus. Ah oui, sans citer des sources. Si, il faut citer les sources. Alors, pour les, à partir de droit de citation, c'est que des trucs qu'on doit obligatoirement citer l'auteur et citer d'où ça vient. Tu fais les cercles de famille, tu fais ce que tu veux, mais après, à partir du moment où tu fais quelque chose de public, il faut aussi citer les sources. Et le truc qui est pas une exception, c'est le domaine public. Le domaine public, a priori, c'est génial, c'est que les œuvres, elles sont à tout le monde, on peut en faire ce qu'il veut. Sauf que bah, c'est plus compliqué que ça, parce que le domaine public, si on est en Europe, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, donc déjà, il faut être patient. Si aux États-Unis, c'est 90 ans, si au Canada, c'est 50 ans, enfin, le domaine public, c'est pas le même dans tous les pays. Ce qui est chiant avec le domaine public, c'est qu'il y a des lois, des pays où il y a des lois, on peut mettre ses œuvres dans le domaine public. Donc, en France, on n'a pas le droit. Il va falloir verser dans le domaine public, ça n'existe pas. Il y a des pays où on peut le faire. Pour voir le domaine public, est-ce que je reprends l'œuvre de quelqu'un dans un autre pays pour l'utiliser? C'est pas évident. Et il y a d'autres trucs chiants avec le domaine public, c'est qu'il y a des domaines publics locaux. Par exemple, les États-Unis, ils ont une super loi qui fait que toutes les organisations gouvernementales, ou la NASA, des choses comme ça, quand ils produisent des contenus, c'est obligatoirement dans le domaine public. Mais dans le domaine public aux États-Unis. Donc, des fois, on croit que c'est des trucs dans le domaine public et bah non. Après, il y a des gens qui s'en fichent un peu. Et notamment, il y a les journaux. Donc, eux, ils vont contacter zéro tout à l'heure. Ce qu'ils vont faire, c'est IDR. À côté de la photo, quand même, le journal, il y a trois IDR à côté des photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit juste à l'aide. Tu as trois réservés. En gros, parce que c'est de la presse, mais ils ont le droit réservé. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ça, mais ouais. C'est une technique. Normalement, ils ont le droit de faire ça si on a cherché à contacter les auteurs et qu'on n'a pas réussi à avoir la réponse ou ça, tout ça. Sauf que les journaux, ça fait des années qu'ils n'ont plus les moyens de se payer les documentalistes, donc ils sont contents de mettre des R et ils s'en fichent. Ils pourraient être poursuivis, ouais. Ça serait bien que les gens vont pouvoir poursuivre la journée, sinon il y a la censure. Après, la technique, hein, c'est d'être quelqu'un qui a plein d'avocats devant lui pour protéger, donc lui c'est pareil, il va rien faire. Lui, c'est un droit total sur les œuvres, parce qu'il sait très bien que les gens vont pas porter plainte vers quelqu'un qui a plein d'avocats, qui ça leur coûtera cher, ils n'ont pas les moyens. Et d'ailleurs, ça s'appelle comment le délit de faire de la copie comme ça? C'est pas du vol. Attends, non, c'est pas du vol. C'est un droit d'auteur. Ouais, c'est un droit d'auteur, mais c'est un nom le délit. Reproduction autorisée. Non, pas loin, pas loin. Bon, t'as du recette de l'île de contrefaçon. Recette de contrefaçon. Donc lui, il donne un total de contrefaire, donc si tu le moins, il doit détester.
Bon, alors maintenant, on va parler, rigoler un peu. C'est nous, quand on utilise, enfin moi non, vous, quand vous utilisez des images, machin, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller demander à l'auteur? On est d'accord. Tout le monde s'en fout. Juste sur le droit de total, c'est illégal? C'est totalement illégal, mais c'est une utilisation. C'est juste que le petit auteur ne va pas poursuivre mais Walt Disney, donc ils peuvent se permettre. Par contre, Walt Disney n'hésite pas à poursuivre. Ah oui, Walt Disney, ils n'hésitent pas à dire « Vous avez contrefait Blanche-Neige, que moi j'ai piqué à l'auteur avant. » C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est 99 ans, le 90 ans actuellement, la loi pour le droit d'auteur, parce qu'à chaque fois que Mickey est prêt à passer dans le domaine public, il repousse la limite. Ils appellent ça le Mickey Mouse Perpetual Act. Enfin, aux États-Unis, les limites en vivre. Alors, il y a une façon de. Il y a des gens qui disent ouais, je suis protégé votre droit d'auteur. C'est, vous me faites confiance, je vais m'occuper de toute la partie financière, je vais respecter les gens qui peuvent utiliser vos œuvres. Ça, c'est ce que moi j'en retiens. Après, ce qu'ils disent, c'est une mutuelle des artistes qui se mettent ensemble pour mettre en commun les moyens de financement, d'inspecteurs et tout. Donc, on va appeler ça la mutuelle association financier, inspecteur et auteur. Donc, je dirais mafia, parce que c'est plus simple. Donc, la mafia, vous n'avez pas besoin de la chercher, elle vous trouvera. Elle a des avocats, donc elle n'a pas peur de celui qui a des avocats. Elle pourrait aller chercher dans la presse, parce qu'elle n'a pas peur de la presse. Et elle peut attaquer tout le monde. Et il ne se gêne pas pour le faire, notamment la mafia de la musique. Donc, je vais représenter les auteurs en bas, parce qu'ils disent toujours, mais ils n'ont plus accès à leurs œuvres. Ils ont donné monopole à la mafia collégiale. C'est dommage. Donc par exemple, la mafia de la musique, c'est la pire. Donc aujourd'hui, si je fais un goûter d'anniversaire, que je passe de la musique. Si ça reste dans le cercle de famille, c'est la loi. Si j'invite des gens, on va donner de l'argent à la mafia. C'est la loi. Si je diffuse une radio avec de la musique, je suis obligé de donner de l'argent à la mafia. Même si c'est la musique, c'est la loi. C'est pire que ça. La mafia, elle impose à la radio, toutes les radios, elle leur donne une liste d'interprètes, de musique, ils sont obligés de passer. Enfin, ils ont une liste dans laquelle ils doivent piocher, je sais plus, t'as 100 noms, et dedans, ça va être 30% de 30% de la programmation. Ça fait 10%, je pense. Mais là, c'est encore rien à voir avec l'assassin. C'est l'assassin. Mais moi, je dénonce pas. Okay. C'est la machine de la musique. C'est ça, elle est bien implémentée. Je crois qu'on a le droit de passer 20 secondes ou un truc comme ça sans... C'est un droit de citation, mais c'est très compliqué sur la musique. Et comme les SSM sont très procéduriers, je ne prendrai pas le coup. Si on achète un téléphone, si je filme la fille avec mon téléphone, juste pour ça, donc là, la mafia, pardon, va me chercher. Sauf que quand on achète un téléphone, tous les moyens de tout ce qui est stockage, un ordinateur, un disque dur, un CD vierge, automatiquement, il y a de l'argent qui part aux mafias. Donc ça s'appelle contribution. Non, la condition à la copie privée. Ouais, j'ai oublié le nom. Contribution. Hein. La contribution, c'est indemnisation. Bon, c'est pas grave. Il faut savoir que dès que vous achetez n'importe quoi qui stocke, vous devez de l'argent à la mafia. Enfin, aux mafias, parce qu'il n'y a pas que la FSA, pas que la musique. Et si vous êtes dans un magasin et vous passez de la musique, même si la musique est libre, vous devez donner de l'argent à la mafia. Même si la musique est libre. Même si la musique est libre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le droit a reconnu que la mafia avait le monopole sur la gestion de la musique. Dans l'intérêt des mafias. Oui, c'est ce qu'ils disent. Comme toutes les mafias, elles sont la porte protégée, t'inquiète pas. Mais moi, je connais même une fleuriste qui écoutait rien à la boutique la radio, donc entendait vaguement le bruit du magasin et s'est fait aligner par la SSM. Donc là, le pire, c'est que l'auteur, s'il n'est pas l'assassin peut aller avec le problème. Il lui donne pas, il n'est pas protégé par la mafia. Donc il se fait voler, tout simplement. C'est magique. La mafia, il dit, tiens, si on te protège, tu auras ton argent. C'est pour ça que la mafia, je pense, a plus adapté de l'assassin. Donc du coup, pour résumer, si on veut utiliser des exceptions, on va faire grand-chose, c'est merdique. Si on compte sur le droit sur le domaine public, c'est une merdique aussi. Si on demande à chaque fois à l'auteur, il va en avoir marre, au bout d'un moment, il ne répondra plus. On se fait protéger par une mafia, on n'a pas grand chose à y gagner parce qu'on a perdu des droits sur son œuvre quand même.
et, la mafia, plus la rendra puissante, plus elle pourra imposer sa loi. Donc, bah voilà, tout le monde s'en fout, il va bien, et c'est pour ça que tout le monde, personne respectera l'auteur, parce que, enfin, trop chiant. Donc, ce qu'on propose, plutôt que d'avoir demandé à tous les auteurs, c'est de mettre une licence. Donc, une licence, c'est quoi? C'est une licence, c'est ça vient des logiciels, ça permet de définir ce que les gens peuvent faire avec le. Donc, il faut très bien mettre des restrictions du genre, c'est pas pour les enfants, vous n'avez pas le droit de faire de l'activité politique avec, vous ne pouvez pas l'utiliser dans certains pays. Typiquement, il y a des choses qu'on achète aux États-Unis, la licence est à l'utiliser à la plupart. Comme ça, faire avec. On peut mettre quelqu'un qui a fait une. Quand vous avez acheté un vêtement, vous n'avez pas acheté le droit d'auteur sur le vêtement, vous avez juste acheté le support. Ils peuvent très bien dire ma chemise de marque est très belle, vous n'avez pas la portée avec un Bermuda. C'est l'auteur, il fait ce qu'il veut. Il peut très bien dire mon œuvre, vous pouvez l'avoir que dans le noir, vous pouvez la regarder. C'est l'auteur, il fait ce qu'il veut. Il peut donner des réflexions d'enregistrement. Il peut dire vous ne pouvez pas prendre la photo, pas la filmer, pas enregistrer le son. Tout à fait autorisé. Il peut même dire vous n'avez pas le droit de reproduire l'œuvre, vous-même. Interdit. On n'a pas le droit de. Si on a une image en JPEG, on n'a pas la couverture sur notre format, sinon c'est de la contrefaçon. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire des affaires d'argent sans demander à l'auteur. Limitation, on peut avoir des dates limites ou pas. Des fois, on a l'autorisation, mais pour 30 jours, des choses comme ça. Et puis bon, j'ai pas mis toutes les restrictions possibles, mais ça dépend un peu de l'imagination des auteurs. Mais par exemple, pourquoi on ne trouve pas de grands parfums avant de surface? Parce que le droit d'auteur sur leur. Sur la boîte de parfum, les droits d'auteur qui imposent des étagères en bois. Et comme les grandes surfaces n'ont jamais en mettre, c'est pour ça que le parfumier a des étagères en bois, parce que c'est imposé par les parfumeurs. Les droits d'auteur, ils font ce qu'ils veulent. Alors, j'ai parlé des licences qui se définissent par leur contrainte, aussi des licences qui se définissent par leur liberté, c'est des licences libres. Donc il y a quatre libertés qui existent, que vous allez tous me citer parce que vous connaissez par cœur. Des bons points à gagner pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui seront échangeables à la fin. Donc la liberté, c'est la liberté d'utiliser. C'est une liberté d'usage. Bah, pas d'utiliser comme on veut. Ça paraît évident, mais typiquement, bah, quand je parlais de la chemise de grand couturier qui est en train de porter la Bermuda, bah, c'est comme ça. Quoi. On ne va pas mettre de restriction à l'usage. Dans le logiciel, c'est pire, hein, tous les trucs, c'est de ne pas faire l'activité politique, ou de ne pas le faire. Enfin, j'ai pas le droit commercial, des choses comme ça. Licence libre, on peut faire ce qu'on veut, ça. De liberté. Diffuser ? Non. De copier ? Non. Bon, c'est étudier, j'ai pas trouvé de bonne image. On a le droit d'étudier pour adapter à ses besoins. Pour voir comment c'est fait et l'adapter à ses besoins. La troisième. Copier ? Ouais. Ah, oh, bah, il est parti. C'est aller voir le point aléatoire. Ah, bah, voilà. Donc la liberté de faire des copies, donc on parle de copies, c'est prendre des photos, enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. Prendre l'image qu'on veut, faire des photocopies, des combats, enfin, tous les droits de copie, de reproduction. Et j'ai cliqué dans le sens. Et la dernière, qui est le premier, qui est modifié. Exactement, modifié. Attention, il y en a qui allaient partir. Alors, je m'améliore. Continue à pas répondre au fond parce que j'y arriverai pas. Donc on va modifier, diffuser les versions modifiées bien sûr. Donc une licence libre, c'est ces quatre libertés-là. À partir du moment où il y a les quatre libertés qui sont là, c'est libre. On ne pose pas la question. Il faut qu'il y ait les quatre. Il faut qu'il y ait les quatre pour que ça soit déclaré comme libre. Et s'il y a les quatre, bah, c'est toutes les restrictions avant ne marchaient pas. Parce que bah, mettre sur l'âge, machin, liberté d'utiliser, ça ne marche pas. C'est la restriction de vendre, non, la liberté de copier comme on veut, de distribuer. Donc on fait un assez tranquille. Donc là, c'est vraiment des œuvres qu'il faut utiliser comme on veut. Ça rentre dans une logique, parce que ça c'était les années 80 pour le logiciel qui s'est créé. Et depuis ça a bien évolué et ça rentre dans la logique de beaucoup de choses. Ce qu'on appelle les communs, donc il y a les communs informatiques, donc les logiciels libres. Il y a les communs culturels, comme Wikipédia. Il y a les communs géographiques, comme l'Antarctique. C'est un traité qui définit l'utilisation de l'Antarctique. Tous les pays la gèrent en commun, avec des règles en commun. C'est vraiment la gestion en commun qui définit que c'est fait partie des communs. Donc là, un jardin partagé, c'est géré par la communauté, donc ça compte dans les communs. Mais par exemple, le soleil n'est pas géré par nous,
Donc c'est pas dans les communs. Et donc il n'y aura pas comme un ouragan. Pour ça, Stéphanie Monaco, je t'ai fier. Alors, d'autres. Le gars, lui, il a fait. Le petit qui a fait son dessin, il a décidé de le mettre sous une licence libre. Donc si quelqu'un veut le transformer en jaune, ben, il a le droit, c'est licencié. Puis qu'il a transformé en jaune, il va transformer en licence libre. Hop, bah, le gars, il va faire un carré, c'est licencié. Là, le problème, c'est que lui, il dit je ne vais pas sous licence libre. Perdu. Il a le droit, enfin, il peut avoir le droit. Et du coup, il peut très bien se faire protéger par la mafia en disant bah, moi, je protège mon cœur. Et pour, la mafia, elle n'ira pas pour poursuivre ceux qui utilisent des trucs sous licence libre derrière, mais bon. Donc, c'est moche. Alors, pour éviter ça, il y a un truc qui existe, et là, c'est le notion de gauche d'auteur ou de copyleft. Ça veut dire que dans la licence libre, il y a écrit si vous redistribuez, ce sera sur la même licence. Ça sera toujours sur la même licence libre. Donc, ça veut dire que si je vais faire un carré, je suis obligé de le mettre dans les communs. Il n'est pas perdu. Personne ne peut s'attribuer le monopole de l'œuvre, il appartient à tout le monde. Et ça, c'est quoi qui protège ? T'es protégé par le droit d'auteur, c'est tout, tout est basé sur le droit d'auteur. Mm-hmm. Le droit d'auteur, il dit l'auteur, il décide de ce qu'il fait de son œuvre. Et comme il dit au début, bah, ce que j'ai décidé, c'est que ce soit distribué sur les sorties et que ça le reste. En tant qu'auteur, il n'a plus le droit. Mm-hmm. Ouais, le livre est basé sur le droit d'auteur. C'est pour ça que les livristes ne sont pas forcément contre le droit d'auteur. Donc le domaine public, on ne sait pas trop si c'est dans les communs, parce que c'est vraiment merdique à utiliser, on ne sait pas ce qu'il y a dans le domaine public ou pas. Bon, je laisse tomber personnellement. Alors, peut-être que sur les sources libres, ça n'empêche pas de respecter la loi, bien sûr. Donc, s'il y a des droits des marques, tu vas être respecté. Donc, par exemple, j'ai vu le logo de Wikipédia tout à l'heure. Il est sur les sources libres, le logo de Wikipédia. Mais par contre, pour l'utiliser, on est quand même obligé de demander à la Fondation Wikimedia pour dire je vais utiliser votre marque, c'est protégé, est-ce que je peux. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis. Au fond de moi, je suis une petite fille qui arrive. Mais c'est à faire. Il y a le droit à l'image aussi qui est couvert. Donc pareil, si vous utilisez une photo de quelqu'un, normalement vous êtes censé lui demander s'il autorise. Après vous pouvez être sur des sites où ils disent les gens ont autorisé à ce que les photos soient utilisées, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça se décide devant la justice, c'est un problème. Donc une licence, c'est pas un contrat. Donc il y en a qui cherchent ça pour un contrat entre deux personnes. Non, c'est le gars, l'auteur a dit vous faites ça, et c'est tout mon problème. Donc devant la justice, c'est pas toujours très simple à défendre, mais ça c'est déjà fait. Mais il faut pas que ce soit écrit nulle part. Bah, en fait, c'est écrit, le gars, quand il dit j'utilise, je fais ce cœur, il est pour telle licence libre. Et dans la licence, la règle, c'est tu dois citer l'auteur, bah, je représenterai une tout à l'heure. Et la licence qui était sur Wikipédia, par exemple, elle dit vous devez citer les auteurs et d'indiquer c'est quoi la licence. Donc celui qui fait jouer, il est obligé de dire que ça vient de cette personne-là. Et la licence, c'est ça. Du coup, ils sont obligés de respecter au fur et à mesure, surtout le tournoi. Des licences qui peuvent paraître sympas, qui peuvent paraître utiles, et par exemple les licences commerciales non commerciales, c'est les gens qui disent moi je me suis fait chier à travailler quand des gens gagnent de l'argent là-dessus. Donc ça peut paraître sympa à utiliser comme ça, mais typiquement ben, c'est pas libre du coup, parce que les quatre libertés, aucune des quatre est respectée, on peut pas l'utiliser comme on veut, on peut pas le copier comme on veut, on peut pas l'étudier, on peut pas le modifier comme on veut. Du coup la licence n'est pas. Du coup, bah, on va pouvoir récupérer le contenu de Wikipédia, parce que Wikipédia, je vous ai dit, ce qu'on récupère dessus, ça va être distribué sur la même licence. Perdu. Est-ce qu'on peut mettre le contenu sur Internet? C'est pas évident, parce que sur YouTube, il y a des pubs, sur les sites d'hébergement gratuit, il y a des pubs, sur Facebook, il y a des pubs, c'est commercial. Est-ce qu'on peut faire des copies? C'est foutu. Parce que le CD, il y a de l'argent quelque part. Hein. Par exemple, il y a des pays où l'Internet a une mauvaise connexion, ils font des DVD de Wikipédia. Bah, ils sont payants, enfin, prix du DVD, quoi. Mais c'est commercial. Et le pire, c'est que si les gens sont en besoin, machin, veulent faire une activité avec votre œuvre, c'est pour se lancer, donc ça vous ferait plaisir qu'ils se lancent, ils peuvent pas, c'est non commercial, donc on n'a pas lancé son activité, c'est dommage, ça c'est perdu. Donc bien sûr, c'est plus compté que c'est dans les communs. Par contre, il y a quelque chose qui est très bien si vous faites du non commercial, c'est que la vache est d'accord avec vous. Que je dis, elle monopole sur l'œuvre. Dans le cas de la musique, ils ont négocié. Les auteurs ont le droit de faire un usage non commercial de leurs œuvres. Par contre, c'est la mafia qui gère tout le reste. Donc, au final, tout le monde s'en fout parce qu'ils ne respectent pas, on est bien d'accord. Ça, c'est copyleft, c'est ça? Non. Les licences sans non commerciales. Il y a quoi, par exemple? Bah, je dirais après. D'accord.
Après, c'est des licences très, très utilisées parce que les gens qui les utilisent, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça, c'est pas pratique. Ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent. Typiquement, il y a des gens qui mettent des vidéos sur YouTube en disant ouais, je veux que ça reste en commercial, machin. Puis bah, quand quelqu'un veut utiliser leur vidéo pour faire autre chose, il va se trouver, machin. Et se... Il y a un peu deux intentions. Il y a des gens qui se disent je veux que mon œuvre soit hors du marché en faisant ça, et d'autres qui se disent je veux que si jamais ça marche, je me réserve. Je me réserve l'aspect commercial. Mais en fait, ça, c'est vrai que ça bloque énormément. Bah, disons que après, ça fait, enfin, moi je considère que c'est plus dans les communs, parce que vraiment, t'as pas, c'est pas quelque chose qu'on peut aller chercher et faire ce qu'on veut avec. Un acte interdit de dériver l'œuvre, c'est-à-dire de faire quelque chose. Donc j'ai fait pipi dans ça, mais t'as pas de faire des photos. T'as pas à mettre la photo en jeu. Donc ça pose le même problème que pour le nom commercial. On n'a pas récupéré le contenu Wikipédia, parce que Wikipédia c'est du copyleft, on est obligé de distribuer les sensibles pour prendre dessus. Si on a fait une faute d'orthographe, personne ne peut corriger, pour être dérivé. Donc la faute d'orthographe qu'on a fait, elle sera à vie dans le truc. C'est dommage. La pérennité dans le temps de notre œuvre, typiquement dans cette conf, je dis que la SACEM a le monopole sur la musique, je pense que ça arrêtera un jour. Bah, personne n'a vraiment mis à jour cette conférence pour dire que c'est ça, donc c'est perdu. C'est perdu pour le temps. Ça c'est quoi? Il y a un bon point. Reviens. Il y a un bon point gagné. Qu'est-ce que c'est? Une viennoiserie à base de pâte feuilletée. Voilà. On va mettre à jour une recette. Oh non, mais c'est quoi la photo? Pain au chocolat, gagné. Ça a été fait en Ile-de-France. En Ile-de-France, du pain au chocolat, j'ai interdit de modifier. Toi, tu l'auras jamais, je pense. Comme ça, peut-être. Wow! Il est là, tu te rappelleras. Tu dis quoi, sans pain au chocolat? En fait, j'ai décidé d'appeler ça un pain au chocolat. Et j'ai dit, t'as pas le droit de dériver, donc t'as pas le droit d'adapter dans les zones du vin. Tu peux pas l'appeler chocolatine. Et pire que ça, donc là, c'est un peu une baisse chocolatine, mais on n'a pas le droit de traduire du tout. Quoi. Donc, si on a fait un truc super et quelqu'un veut traduire en anglais, bah, il n'a pas le droit. Dommage. Parce qu'il veut pas, typiquement, Richard Stallman, le responsable de la FSF, il considère que ses discours doivent être modifiés parce que ça, les gens pourront faire ce qu'ils veulent avec et pas qu'on déforme son propos. Donc il a décidé de faire des licences non dérivées pour tout ce qu'il raconte. C'est idiot, mais ça veut dire que du coup, si tu veux faire une traduction, tu es obligé de demander sa permission avant, sachant qu'il reçoit des milliers d'emails par jour, tu risques de l'attendre longtemps. Ah tant pis, des gens qui verront jamais ce qu'il dit. T'as pas le droit d'adapter au handicap. Donc t'as fait un super texte, t'as pas le droit de faire une version. T'as pas le droit, des gens, t'as pas le droit de faire une version orale, ils ont pas le droit de faire une version braille. Voilà, donc le gars il dit, ouais, je partage mon truc, bah, finalement il partage pas grand chose. Donc bien sûr, c'est la truc, c'est dans les communs à ce niveau-là. Et au final, personne ne respecte parce que. Ouais. Donc c'est là que je voulais parler des licences. Donc il y a. Pour les œuvres culturelles, il y a une licence de base, c'est avec Creative Commons, une association qui gère plusieurs licences. Donc celle de Wikipédia, c'est celle-là, by essay. By, ça veut dire on est obligé de citer les auteurs, essay, c'est-à-dire qu'on est share alike, donc partager sur les licences. Donc ça c'est vraiment récent, vous avez utilisé parce qu'il est utilisé partout et du coup on peut accéder au contenu de Wikipédia, c'est quand même bien pratique. Creative Commons sont aussi des licences non commerciales et non dérivées. Donc des fois il y a écrit by NC, by ND, ça saute ils devant fond. Bon, faut pas l'utiliser parce qu'il y a tous les inconvénients qu'on a dit avant, mais ça existe. Et typiquement si vous voyez un contenu Creative Commons, vérifiez qu'il n'y a pas ça, parce que peut-être que vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut aussi une dernière licence, CC0. Correspond un peu au domaine public, c'est-à-dire bah, faites ce que vous voulez, je ne vais pas en parler, c'est votre problème. Donc pas d'obligation de citer l'auteur, pas d'obligation de mettre sous la même licence. Donc enfin aussi c'est BY, ça veut dire que c'est libre, mais on n'est pas obligé de retirer sous licence libre. J'ai jamais compris la différence entre CC BY et CC BY. Ou pilef la différence. CC BY, j'ai tout à fait le droit de refaire un truc privé derrière, non commercial, non dérivé, machin. Alors CC BY et ça, c'est obligé de rester CC BY à ça à vie. Juste, c'est C0, tu considères que c'est... C0 c'est bien, mais parfois c'est le problème des licences non copyleft, tu vois. Donc on a tout à fait le droit derrière de faire un truc privé. Je crois que l'objectif de la licence CC0, c'est aussi d'imiter le plus possible le domaine public. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont mis... L'origine, il y avait un truc CC domaine public, enfin public domaine, sauf que à part les États-Unis, il y a beaucoup de pays où on va mettre ces œuvres dans le domaine public. Donc CC0, c'est ça, c'est faites ce que vous voulez avec. L'idée, c'était je m'en débarrasse, quoi.
C'est zéro, elle est bien, alors je suis pas fan des licences non copyleft. Et bon, dans ma présentation, j'ai mis quelques photos CC0 parce que je n'ai pas trouvé CC by SA. Moi, j'ai un petit peu en CC by SA, déjà. Et du coup, le copyleft, c'est ça qui va protéger contre les problèmes de commercial. Parce que si votre problème, c'est que les gens fassent un usage commercial, et vous mettez une licence CC by SA, le gars qui va vendre votre œuvre, il a fait des modifications pour lui, ce qu'il a vendu, vous avez tout fait redire, c'est sous licence CC by SA, moi j'en fais ce que je veux aussi. Donc, ça ne sera pas perdu pour la communauté. Quelqu'un sera de l'argent dessus, mais vous avez tout à fait le droit de vendre vous-même ce qu'il a vendu. Il y a déjà eu des jugements qu'on a dit ça. Non, parce que généralement, c'est ça règle avant le jugement, les gens ils font les accords, parce qu'ils savent qu'ils ont tort, ceux qui ont piraté la licence. Il y a. Pour le monde d'arrivée, c'est pareil. Richard Stallman dit je veux pas qu'on déforme mes propos. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Déjà, il est obligé de dire j'ai déformé les propos, et derrière, la version déformée profite à tout le monde pour faire autre chose. Il suffit de bien signaler ce qui a été modifié. Ouais, même pas, on va dire que ça vient de tel, ça vient de ce qu'a dit Salman, machin, et ça a été modifié par moi. T'as pas besoin de signaler c'est quoi, la personne sait qu'on lit ça, c'est pas la parole de Salman. Oui voilà, faut pas qu'il ait écrit Salman en gros avec un. Ou écrit par Salman avec gentil et modifié par machin. Donc c'est ça un peu du flageux, c'est ça. Mais voilà, enfin. Puis je veux dire, si quelqu'un veut faire ça, il a besoin d'avoir une licence non libre, il le fera, puis s'il veut, quoi. Enfin, les gens qui veulent faire n'importe quoi, ils le font déjà. La licence non libre, elle ne protège pas de ça. Enfin, donc du coup, je vous disais, quoi que vous fassiez, je vous conseille de le mettre en Creative Commons. Vraiment n'importe quoi que vous fassiez. Donc si vous voulez Wikipédia, le projet de Wikimedia, c'est automatique, hein, tout en CC by SA. Et par exemple, si vous faites une photo, là c'est un exemple, c'est une photo de moi. C'est très con, hein, mais à l'origine, cette photo, je l'ai mise sur Internet pour faire un gag. J'étais administrateur Wikipédia au début, au début de la version francophone, et j'ai mis sur ma page d'accueil Denis, administrateur sur son trône. C'est sa classe. C'est vraiment une blague pourrie, hein. Cette image, elle est utilisée partout. Il y a plein de monde qui utilise, des sites qui expliquent les pots de chambre, un livre pour enfants qui est sorti aux Pays-Bas. Donc, je vais essayer de se faire traduire en français un jour, parce qu'il est sous licence libre, du coup, parce qu'il se l'avait. Et voilà, des fois on dit enfin un truc nul pour faire une blague, mais quand j'ai mis sur CC by SA parce que c'était sur Wikipédia, bah, ça sert. Est-ce que si un livre utilise une image en CC by SA, est-ce que le livre entier doit être en CC by SA? Il peut très bien dire cette image-là est en CC by SA, mais généralement ils mettent tout parce qu'ils n'en utilisent pas qu'une, et au bout d'un moment c'est plus gérable. Je me suis posé la question plusieurs fois. La licence CC by SA est un peu trop permissive à mon goût, mais bon. Techniquement, ouais, il pourrait peut-être. Ça pourrait être plus contagieux, entre guillemets. Mais voilà, c'est. Moi, je tenterai pas le coup. Enfin, si je tenterai le coup, je me suis libre. Pourquoi tu dis qu'il est trop permissif à ton goût? Parce qu'il permet qu'on prenne juste la photo et qu'on mette ses licences, ses PC, voyez ça, et derrière, tout le reste n'est pas libre autour. C'est dommage. Mais c'est toujours mieux que mettre DR, on sait pas d'où ça vient. Mais... Ça, c'est pareil, c'est une photo pourrie de Murène que j'ai prise au Cinépolis à l'Ouest. Elle est toute floue, elle est mal cadrée, et la résolution est pourrie, parce que je l'ai prise en 2004, l'époque avec les appareils photo de l'époque. Et bah, c'est tout pourri cette photo, sauf que les photos de Murène, bah, ça se trouve nulle part. Mine de rien, cette photo est utilisée sur tous les sites Wikipédia, et j'ai même une fille qui a laissé sa tête de doctorat, elle a mis la photo, j'ai trouvé mon nom, cherchant mon nom sur internet, je suis très prétentieux, j'aime bien me voir du succès. J'ai trouvé mon nom cité dans une thèse et ouais, c'était juste la photo de Murel a été parce qu'elle a travaillé sur les Murel mais dans un côté statistique sur les populations. Elle n'a pas été revoir en vrai. Et du coup, bah, pour être une photo, là, tout le monde, je suis content. Donc, n'hésitez pas, si vous faites du photo, mettez-les sous licence libre, distribuez-les. Peut-être que vous, ça ne vous sert à rien, peut-être que vous pensez que ça ne servira à rien, et finalement, ça peut servir à plein de monde. Un dernier exemple, ça c'est sur du code. Donc, tous les ans, sur l'appli, on fait. À chaque élection d'April, on fait un projet qui s'appelle candidat.fr. C'est un site où on liste tous les candidats et chacun peut aller dire je prends ce candidat, je vais lui parler du livre. Mais c'est quand tu as trouvé un maximum de candidats. Le problème, c'est qu'il faut aller voir la liste des candidats pour les législatives, il y en a des milliers. Donc moi, j'avais fait quelques pauvres scripts qui allaient sur le site de Europe Écologie Les Verts, récupérer tous les candidats, leur Facebook, leur Twitter, leur numéro de téléphone, etc. J'ai fait ça pour tous les partis. Et j'ai mis ça en ligne comme ça parce que je n'avais rien à faire. Pour des raisons pratiques en fait, donc, j'ai bossé sur plusieurs endroits, donc c'est vraiment un truc à usage unique quoi, parce que les sites changent, machin, ça ne sert vraiment à rien. Et bah, il y a 3 ou 4 semaines, il y a un prof allemand qui m'a dit ouais, je voudrais utiliser votre truc pour mettre dans un cours d'informatique, que j'aime bien ce que vous avez fait par exemple.
en fait, qui traduit ses commentaires en allemand, parce que j'avais fait en anglais. Et il m'a dit, ouais, j'ai oublié de mettre une licence dessus, en fait. Donc il m'a dit, c'est sous quelle licence? Et pour le coup, j'ai même pas utilisé, j'ai même pas mis de licence libre. Enfin, si, je lui ai dit, faites ce que vous voulez, quoi, c'est zéro. Mais c'est contre ma politique, que j'ai vraiment rien à foutre. Non, mais enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est du code de base, c'est rien de. Rien d'intéressant. Donc, bon, je suis content, ça servira aux impôts en Allemagne. Donc, vraiment, il n'y a rien à acheter lorsque vous produisez. Tout ce que vous faites, ça peut être utile. Tout ce que vous faites, ça peut être utile. Si vous prenez des vacances, vous avez des photos de bâtiments, de machins mettés sur Wikimedia Commons. Ça va servir à des gens, sur l'histoire à Wikipédia, c'est l'histoire à des articles à ce sujet-là. Peut-être des guides de vacances libres, enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir. Comment on les référence alors, c'est alors tout ce qui est image, c'est Wikimedia Commons. C'est commons.wikimedia.org. Donc on le upload sur Wikimedia Commons. Comment on upload l'image. On upload le machin et il y a un petit formulaire à remplir en disant c'est qui l'auteur, c'est quoi la licence. S'il y a des photos de personnes, c'est bien de préciser, j'autorise à ce que la personne soit utilisée soit des. Enfin, la personne autorise à ce que soit utilisée sur les licences libres. Parce que sinon, les droits d'image, on les protège. Bon, je vous ai pas parlé de droit d'oral, parce que c'est un truc qui fait chier, qui est spécifique à la France. Et les gens ont avis, même après l'abord d'ailleurs, ils ont le droit de décider, ils ont le droit de dire ça, j'aime pas cet usage et je peux plus l'utiliser. Donc les descendants de Mozart ont tout à fait le droit de dire, vous diffusez pas Mozart ici. Sachant le nombre de descendants qu'il a, ça devient bordel. Il a fait des enfants, Mozart, je suis cassé, je crois. Des enfants cachés, enfin des arrière-arrière-arrière petits enfants cachés. Il y a un truc qui est bien, ça s'appelle Open Data, c'est venu des projets de communs aussi. C'est qu'on récupère des données de partout, donc je sais pas, des horaires de métro, l'emplacement des bouchers incendies, des données qui sont vraiment accessibles. Et ce qui est très bien en France, c'est qu'en 2011, il y a un décret qui est passé qui demande au pouvoir public, à l'administration publique, de mettre en open data les données qui peuvent l'être. Donc Toulouse, il y a deux villes qui ont décidé sous licence libre, c'est Toulouse et Paris. Ils ont bien raison. Mais ce qu'il faut faire, c'est, si vous êtes d'ailleurs dans une autre ville, d'ailleurs voir leurs élus pour leur dire, regardez ce qu'on fait Toulouse et Paris, faites pareil. Pour leur expliquer, c'est mieux d'avoir des données sous licence libre. Parce que typiquement, quand on a Toulouse, je crois qu'ils ont libéré l'état civil. Donc si on veut faire des statistiques sur les prénoms à Toulouse, on peut faire avec un logiciel libre, utilisé partout, et c'est 2000 livres. Donc sur peu de détails, il n'y a pas qu'en France, il y en a dans le monde entier. Donc regardez, il y a des données à récupérer un peu partout. Enseignez, quand vous voyez des données libres, vérifiez que les gens sont au courant qu'elles existent, parce que des fois, personne ne le sait. Ça peut servir. Donc sinon, il y a un projet qui s'appelle OpenStreetMap. Pour faire une carte libre. Aujourd'hui, c'est la meilleure carte qui existe dans les pays occidentaux. Hein. Celle de Google est bourrée d'erreurs, et celle de l'IGN, ils mettent des fausses erreurs pour voir s'ils ont été copiés. Pourquoi la plupart des gens ont le réflexe d'utiliser Google Maps alors qu'il y a cette carte qui existe? Bah, c'est une bonne question. Non, parce qu'au début, c'est vrai que ça manquait de. Même moi, quand j'y réfléchis pas, je vais sur Google Maps en premier. Mais ouais, non, c'est dommage, effectivement. C'est, allez. Petite map, pour y participer, il faut soit commencer à mettre des routes, tout ça, mais bon, c'est un peu compliqué. Si vous avez un mobile sur Android ou une version dérivée d'Android, un logiciel génial qui s'appelle Street Complete. C'est un logiciel, c'est comme Pokémon Go, quoi. Dans la rue, il dit, bon, là, j'ai besoin, je te pose cette question. On donne des quêtes à faire, quoi. Donc, par exemple, je suis dans la rue, là, il me dit, oh, j'ai pas les horaires de ce magasin là, est-ce que tu peux les ajouter? Et ça rend mieux, tu vas être Street Map automatiquement. Et comment Street Compete? Street Compete. Ouais. Celui-ci est génial parce que du coup, moi, OpenStreetMap, j'avais jamais contribué avec ça, je me suis mis. Au début, il n'y avait pas beaucoup de quêtes, donc c'était pas très amusant. C'était toujours le revêtement de la chaussée. C'est pas passionnant. Et maintenant, ouais, il y a un magasin, il y a plein de trucs. Il n'y a pas des jeux comme Pokémon Go qui existent sur OpenStreetMap? Non, mais ça revient au même en fait, on cherche les quêtes, machin, c'est normal, des fois on est dans la rue, on pense dans quelle rue, machin. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus à jour que le map, parce qu'ils ont pas relevé, ils cherchent le site des gens, si le site les horaires des magasins, tout ça, c'est pas forcément fiable. Enfin bon, c'est vraiment petite map. Et au fait, vu que ça, c'est aussi, c'est un truc très facile pour y participer, donc ça référence les aliments, Ça référence les aliments qu'on achète dans le supermarché. Donc ça veut dire que ça dit tel. Enfin, vous avez des logiciels très connus sur téléphone qui permettent, on scanne un code barre, ça nous dit, il y a de la S, tel additif et additif. Les données viennent de OpenFoodFacts.
Donc, si vous achetez un truc nouveau, vous allez pouvoir sur Open Food Fact, vous le référencez, c'est très beau, ça servira à plein de monde. Donc, c'est une façon de contribuer facile, quoi. Et si vous voulez vous mettre à contribuer et que vous ne savez pas comment, je vous conseille de surveiller l'agenda du livre, agendadulivre.org. Et dessus, bah, régulièrement, il y a des associations qui se donnent rendez-vous pour faire, par exemple, Wikimedia France, des fois, ils donnent rendez-vous dans telle ville pour dire on va prendre des photos de tous les bâtiments de la ville. C'est sympa, du coup, c'est un truc en commun, on peut rigoler un peu. Surveiller l'agenda du livre, vraiment des trucs sympas dessus. Et voilà, j'ai fini. Donc c'est sous licence, c'est payé ça, et voilà, tous les contributeurs. Bon, bah cool. Il y a des questions? Oui. Non, mais c'est quoi quand, justement, il y a... Dans le logiciel, mais quand on a des licences libres qui ne peuvent pas s'accorder ensemble. En gros, c'est dommage. On utilise du logiciel sous LGPL V3 et de l'autre en GPL V2, du coup, ça ne peut pas. C'est dommage. Mais la Christopher Foundation est conseillé fortement de dire GPL V2 et version ultérieure. Enfin, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais. Ouais. Ouais, quand tu les produis, c'est toujours comme ça. Donc, j'ai pas de problème. Mais oui, c'est dommage. Il n'y a pas que licence GPL, hein, il y a. La licence Mozilla, c'est pareil, elle n'est pas compatible avec PGPL. Dommage, mais ça fait plusieurs endroits pour récupérer les données, il faut juste faire un choix derrière. Le copilote, ça c'est RIP, donc on ne peut pas avoir deux personnes qui héritent de licences différentes. C'est pas le mariage pour tous, c'est moche. Du coup, c'est quoi les solutions? C'est de ne pas utiliser. C'est dommage, il faut faire un choix. Si t'as envie de faire en fait, voir si on a besoin, tu trouves du code plus facilement en GPL ou en MDL ou machin, tu prends celui qui te convient le plus. Après, il y a aussi plein de licences où il n'y a pas de copyleft, hein, donc t'as tout fait le droit de prendre le code et de mettre sous GPL derrière. Mmh. Typiquement, la licence Apache, c'est pas copyleft. Prendre du code Apache, de tout leur projet Apache et de mettre sous GPL derrière. Et le GPL, si payé ça, c'est pareil Si payé ça, c'est très bien adapté pour des documents et machin. GPL, c'est vraiment fait pour du code, puisque. Dans les conditions de la GPL, il faut reprendre tout le texte de la licence et le distribuer avec ce que tu imagines sur un t-shirt, mettre tout le. Parce qu'en plus, elle est longue la GPL. Parce que j'ai vu par exemple sur GitHub, maintenant, on peut mettre une licence. Ouais. Alors, moi, il y en a plein. Enfin, c'est un peu difficile de savoir. Enfin, généralement, pour le code du site GPL et pour trouver la CBSA, parce que. Que voilà, le problème c'est que si on met du code sur CBSA, il n'y a pas beaucoup de gens pour l'utiliser parce que des personnes qui codent en CBSA. Sauf si c'est vraiment des tout petits bouts de code. Pas de même, ah oui, on va citer le. La personne, je ne sais pas qui codera le bouton, il a pris ce bouton-là et t'as aimé. Je sais quoi. Mais on est d'accord que la copyleft, c'est quand on a les quatre. Ça c'est libre si on a les quatre. Et copyleft, c'est quand ça doit arriver. C'est quand tous ceux qui dériveront de cette œuvre et qui distribueront cette œuvre, ils seront obligés de garder en héritage le copyleft, enfin le droit de libre. C'est non seulement c'est libre, mais tout ce qui sera fait après à partir de ça sera libre. Okay. Donc que ce soit jaune, carré, pâte à modeler, tout restera libre. S'il n'y a pas le copyleft, ils peuvent faire du libre et derrière ils font ce qu'ils veulent. Derrière, quelqu'un peut très bien dire maintenant c'est privé, je le fais gérer par la mafia, et tant pis pour eux. Copyleft, les gens font ce qu'ils veulent après. Enfin non, copyleft, les gens sont obligés de laisser en licence libre, non copyleft, ils peuvent très bien faire. Par exemple, ta photo. Sur le pot, si tu l'as mise en copyleft. Elle est en copyleft, elle. Elle est en copyleft. Donc ça veut dire que ceux qui font des trucs dérivés, c'est sous licence libre. Tu peux l'utiliser sur Wikipédia, par exemple, parce que c'est sous licence libre. Mais il garde le nom de l'auteur. Enfin, c'est ça, ouais. En fait, sur Wikipédia, tu as tous les noms. Tu cliques sur une image, tu as la source, le nom de l'auteur, c'est tout ça. Donc, typiquement, le bouquin pour enfants en langue est censé. Il est en CC. Si la photo est modifiée, par exemple, pas avec un filtre Photoshop, la modification, la création nouvelle, il doit aussi être en CC. Oui, c'est ça. Il doit citer la succession, la liste des auteurs successifs. Auteurs, voilà. C'est pour ça qu'il y a plein d'auteurs dans mon document, parce que les images, je n'ai pas fait pour sous fait licence 4. Ça devient compliqué. Surtout, il y en a. Ah oui, il y a un chinois et un indien à la fin. Ouais, à la fin, je sais pas si c'est l'écriture de gauche à droite ou de gauche, donc je sais pas comment la mettre. Mais bon, il avait une fenêtre, je sais plus c'était laquelle. Je crois que c'est le cœur d'ailleurs. Bon, voilà. Ouais, il y a des comics d'art. Moi j'avais une question sur le fait que pour le logiciel, il y a.
un modèle économique qui soutient un clone, même si certains logiciels ont du mal à se faire, logiciels libres ont du mal à se faire financer, comme GIMP par exemple, mais qui fonctionne par le don et il y a très peu de personnes salariées, enfin rémunérées. Et par contre, pour la musique ou pour les autres arts, il n'y a pas de modèle économique qui existe. Si, pour les gens qui font la musique, faire des concerts, ça rapporte de l'argent. Enfin, ils se font connaître, après ils sont invités dans les festivals, tout ça. Pour tout ce qui est images, tout ça, bah, Wikipédia, ils s'en sortent, hein, parce qu'ils font un appel à dons tous les ans, et ils récoltent énormément, ça permet de gérer le truc. C'est énorme, hein, quand même, Wikipédia. Enfin, Wikimedia Commons, par exemple, il y a plusieurs dizaines de milliers d'images, quoi, donc centaines de milliers, beaucoup. Donc oui, on peut s'en sortir en fonction du don, tout ça. Après, effectivement, si on est un photographe et qu'on fait tout sous licence libre, je sais pas le modèle. Je sais qu'à une époque, je disais à mes amis musiciens, faites du copyleft. Ah, mais ils sont enregistrés à SACEM. Ça ne me permet plus de le dire, étant donné qu'ils sont enregistrés à SACEM, des cotisations aussi. À SACEM, ils ont un monopole, ils sont enregistrés à SACEM. Ils disent, vous inquiétez pas, on assure votre protection, ils ont un monopole sur l'œuvre. L'auteur n'a plus le droit d'en faire ce qu'il veut. Ah bon ? Oui. Il a juste le droit, ils ont juste signé un accord avec Creative Commons. Pour que les licences CC BY NC puissent être utilisées. Et uniquement ces noms commerciaux, la SACEM accepte que l'auteur fasse ce qu'il veut avec. Et typiquement, la SACEM, je ne sais pas si vous avez entendu il n'y a pas longtemps, il y a un spectacle de fin d'année dans une école, et les enfants vont chanter une chanson de Jacques Higelin. La SACEM a dit, bah, vous avez pris de faisiez de la musique qui vous appartenait, vous me donnez l'argent. Finalement, c'est Jacques Higelin qui a payé la note pour qu'ils aient passé leur musique, sa musique. Je vais aussi remettre en cause... certaines sociétés d'auteurs, les droits des bibliothèques. Ah oui, non, mais c'est... Enfin, les sociétés d'auteurs, ouais, j'appelle ça des mafias, clairement, c'est... ils disent aux gens, je gérerai votre protection, ils s'imposent partout, ils vont voir le pouvoir, voir des lois dans leur sens, enfin... Et puis, il n'y a pas de péréquation. Les auteurs, les quelques auteurs célèbres sont rémunérés, et les autres... Oui, en plus, oui, parce que... Alors, normalement, quand on déclare un spectacle, une radio, on est censé donner la liste des œuvres qu'on a passées. Bon, j'ai organisé une soirée en 2004. J'ai bien envoyé le chèque. Par contre, j'ai pas envoyé la liste des auteurs et ils m'ont jamais réclamé. Hein. C'est toujours chez moi. Je sais pas comment ils ont fait pour savoir qui s'est passé. Je pensais qu'on pouvait envoyer à sa scène une liste de musique qui sont faites sur licence libre. Bah, si c'est licence libre, c'est compliqué. La SACEM n'autorise pas les gens qui sont à la SACEM d'utiliser une licence libre. Interdit. Qu'ils veulent avoir le monopole sur l'œuvre et du coup, bah, ils ne peuvent pas donner aux autres. C'est moche. Et en fait, l'intervention que j'ai commencé tout à l'heure, c'était pour poser une question sur est-ce que tu sais où ça en est, les projets qu'il y avait autour de la licence globale et du mécénat global. Ça n'a jamais existé là, il n'y a jamais eu de projet. Il y a deux députés qui ont déposé un projet, mais ça ne vaut rien. Enfin, et le mécénat global, c'est des trucs qui étaient ratés par certaines associations, machin, mais ça n'a jamais vraiment existé au niveau politique. Moi, ça me paraît toujours une proposition politique intéressante. Moi, je ne pense pas à un parti politique. Parce que là, le modèle économique des auteurs, je ne le vois vraiment pas dans ce cas-là. Parce que comment tu répartis l'argent ? Soit tu fais une autorité, une économie planifiée, c'est Stallman proposé en 1992 dans son article La bonne façon de taxer les DAT. Et il proposait des sondages anonymisés mensuels pour tous les gens volontaires qui voulaient. Ouais, c'est ça. Du coup, les vieux qui vont pas sur Internet, André Rieu, il aura jamais sa musique. Il n'aura jamais son pognon. Je trouve que ça peut être intéressant quand on voit que quand on fait un test de Audimat. Je vous propose de terminer cette conversation à la buvette, parce qu'il y a le professeur conférencier qui arrive. Merci beaucoup.